Maintenant, nous allons voir un petit peu les assurances. L'assurance ARC est obligatoire pour la pratique de la plongée sous-marine. L'ARC, c'est la responsabilité civile. C'est en fait l'assurance qui vous couvre pour tous les dommages que vous causez à autrui. C'est-à-dire que si vous cassez l'ordinateur de votre collègue, eh bien, c'est votre assurance ARC qui va la prendre en charge. La licence FFESSM inclut dans son tarif une assurance en ARC. Cette assurance est délivrée par les cabinets Lafon, qui est le courtier officiel de la FFESSM. Ce sont les assurances AXA. Cependant, la loi sur le code du sport impose à tout groupement sportif d'informer et de proposer à ses membres la faculté de souscrire une assurance individuelle accident. Donc là, c'est pour des dommages corporels. La FFESSM propose quatre sortes d'indemnités. Donc la loisir 1, ici ce sont des tarifs qui sont proposés pour la campagne 2016-2017. Vous aurez la loisir 2, la loisir 3 et vous aurez un module pour ceux qui font que de la piscine. AXA vous propose également la loisir top qui est une indemnité sur les annulations de voyage. Donc la licence fédérale va vous assurer sur les frais de recherche et sauvetage, sur les frais de caisson et perbar, sur les frais hospitaliers, sur l'assistance aux personnes, sur l'évacuation sanitaire, sur le capital en cas d'invalidité permanente totale, sur le capital en cas de décès, sur le rapatriement du corps, sur l'annulation ou interruption du voyage, et sur l'assurance tout risque du matériel. Donc à l'étranger, pour ne rien avoir à régler sur place, y compris les frais de caisson et perbar, vous pouvez bénéficier d'une avance dans la limite des sommes garanties après un accord préalable avec les assurances AXA. Donc vous avez le numéro qui suit et que vous pouvez appeler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 lors de vos voyages à l'étranger. Et sans limite de somme. S'il y a une hospitalisation supérieure à 10 jours consécutifs, il y a une mise à disposition d'un billet aller et retour en avion ou en train pour un proche par an et une prise en charge des frais d'hébergement pendant 10 nuits. Cette garantie couvre jusqu'à 47,60 € par nuit. Donc en cas d'accident, il faudra effectuer une déclaration au cabinet AXA. Cette déclaration devra être faite soit par Internet ou soit par courrier dans un délai de 5 jours. Il faudra également faire une déclaration à la direction départementale de la jeunesse et des sports pour tout accident grave survenant au sein d'un établissement d'activité physique et sportive, que ce soit donc une association ou un organisme professionnel, dans un délai de 3 à 5 jours. Cette déclaration est faite donc par l'organisme, pas par le blessé. Il faudrait également faire une déclaration à la commission médicale. Cette déclaration anonyme qui permet de mieux cerner les circonstances de l'accident est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Palma.